For the first time in the history of television, cartoon characters from children's series can interact in real time with the real world. Live on the set like any other show, cartoon characters now present programs just like real actors do. This unique technology, developed by Media Lab in Paris, is now available. It's not so much in your own time animation or any time but now. In fact, it's real time animation. Well, I don't know why I came here tonight. I got the feeling that something ain't right. I'm so scared in case I fall off my chair. And I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you. And I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face. Losing control, yeah, I'm all over the place. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle. Donkey Kong Country, take one. And action! Since its inception, Media Lab has been developing efficient production-oriented performance animation systems, opening the way for cost-effective productions for character animation. Media Lab's performance animation consists of animating a character in real time so that the performers and directors have immediate feedback and can make corrections at any time during the performance. Production conditions are comparable to those used for classical filmmaking, where a director can sit in the studio and give instructions to the performers. I gotta look good. You do? But I gotta look especially smooth. I'm dropping in on candy. It's her birthday. Candy, candy, candy. She's just a girl, DK. You can't have fun with a girl like we do. She's the gorilla of my dreams. If only I could get her away from... I need that plastic coconut. Donkey Kong is a full computer-generated half-hour series based on the famous video game by Nintendo. I am ordering you to eliminate, exterminate, annihilate that simple-minded ape. The characters in the series are animated with Media Lab's performance animation system. He's invincible. It's the bananas that make him invincible. Operation Attach Head completed, sir! I'm Candy Kong's clone. We look like we're one and the same. Media Lab's performance animation technology is a cost-effective and efficient production tool that brings a totally new dimension to traditional animation. Just like candy cane. Working with real actors enriches the way the story is told. Getting immediate feedback on performance of the animated character provides greater creative control. Every monkey's dream for your evil scheme. So cool to work with King K. Rool. Bravo! She lives! She lives! She could fool an idiot! Fool me! And now, the snip, clip, power slip, you're a wimp and that's it! The curse on Donkey Kong! She'll cut his hair, which will cut his strength and cut him out of the picture! But what's most exciting about performance animation is that once you create a character, you can use it for anything. TV shows, talk shows, sitcoms, game shows, video games, home videos, CD-ROMs, trade shows, amusement parks, everything but the kitchen sink. Allez, on coupe! Attention, mais non, je commence. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là! Eh, messieurs, mais... Messieurs, Donkey, encore, il m'embarque! Pour le Mélanisson, yeah! Alors, je te pose une question. T'as pas le droit de dire oui, t'as pas le droit de dire non. Attention, c'est parti. Tiens, Donkey, pendant que j'y pense, pendant tes vacances, t'as relu les aventures de Tintin? Ah non, non, j'ai relu les aventures de Oui Oui. Oh, oh. T'as perdu! T'as perdu! T'as perdu! C'est à moi de dire au revoir. Hé, hey, les Donkeys, je vous dis un grand...
Salut les donkeys. Oh, au revoir. Since September 1996, the Donkey Kong characters are starring with Melanie in the children's program Donkey Kong Planet, airing on France 2. Cool, Donkey, cool. Non, moi c'est Kong, Donkey Kong. It has been an instant success. The Donkey Kong Planet show is shot live like any other show. Cartoon characters and real actors perform together and entertain children. C'est pas, j'ai la modestie qui me fait mal. Non, moi, les chiens, je donne pas dans le reptile, mademoiselle. Je suis pas un rempart. The donkey characters now have a career of their own. Once in a while, to make ends meet, they'll even do commercials. Au revoir la caméra. Donkey Kong Land 2 sur Game Boy et Game Boy Pocket. Maintenant, le héros... C'est Diddy Kong. Les émissions jeunesse sont souvent le point fort des différentes chaînes et de ce fait, ont la nécessité de se renouveler. France 2 innove en la matière avec une série animée par Mélanie Angéli, comédienne et danseuse, qui a pris le relais de Maureen Dor. Ces émissions accueillent un personnage surprenant, Donkey Kong. Reportage d'Eva Choucroun. Alors, mes petits gorillous du dimanche, bien réveillés, parce qu'aujourd'hui, ça va booster grave. Pour ses programmes jeunesse, France 2 a fait appel à un animateur un peu spécial, le singe Donkey, déjà très connu des fans de jeux vidéo et qui, grâce aux prouesses de Media Lab, le spécialiste mondial de l'animation virtuelle, fait son entrée à la télévision. Moi, j'ai une banane d'enfer. Vous voulez que je vous dise pourquoi ? Eh bien, c'est simple. Parce que dans l'épisode des Baby Folies qu'on va se regarder... Il est question de service militaire. Et moi, j'adore le service militaire. Attention ! Grâce à cette combinaison et ses 18 capteurs reliés à l'ordinateur, la comédienne anime en temps réel tous les mouvements du singe. Ça, c'est la voix. Et ça, c'est la tête. Ouais, c'est moi la voix et ça... c'est le corps. On comprend pourquoi, c'est pas vrai. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Je connais depuis 5 ans, d'accord, par contre. Donc, sa voix me donne vie, tu vois. Me donne pas envie, mais me donne la vie. Ça me donne envie de bouger. Alors, mes petits goriots. La voix de Christophe est la moteur de toutes mes actions. Donc, on est liés. Une banane d'enfer. Donc, il faut qu'on se connaît, que moi je sache quand Christophe va dire je ne sais pas, non. Que je sens déjà ce qu'il va dire avant que je le joue. 1, 2, 3, 4. Alors, aujourd'hui, pour commencer. Moi, je m'occupe de la manipulation faciale, donc l'ouverture et la forme de la bouche. Et je fais aussi la voix. En gros, le principe est que j'ai des expressions sur chaque doigt et que je peux les mélanger entre elles, les provoquer plus ou moins. Un doigt égale une expression. Eh oui ! Et moi, je vais prendre mon petit déjeuner ! Hello, Donkey ! Hi, Mélanie ! Viens donc avec nous dans le monde, Donkey Kong ! Salut les donkeys! Salut toi! On peut avoir une réelle interaction entre une personne réelle et une personne virtuelle, ce qui n'existait pas auparavant, puisque tout ce qui est dessin animé, etc., ce sont des choses qui prennent beaucoup de temps à fabriquer, donc il n'y a aucune spontanéité. M'en fous. Mais pourquoi, Donkey ? Écoute, t'as rien fait, JP. La présentatrice réelle joue avec personne sur le plateau, la personne physiquement présente sur le plateau. Elle est obligée de régler son jeu sur un moniteur dans lequel elle voit le mélange, c'est-à-dire elle-même et la marionnette virtuelle. C'est donc un problème de direction de regard, principalement, pour que ce soit compatible. Moi, je suis vraiment... Si Donkey est le premier personnage virtuel à déambuler dans un décor réel, ça ne lui donne pas pour autant tous les droits, n'est-ce pas, Mélanie ? Je suis un quoi, moi ? Qu'est-ce que t'as écrit, là ? Un cajot ? Eh ben oui, pourquoi ? C'est la seule rime en haut que j'ai trouvée dans mon dictionnaire de riz. Dans ma tête, quand j'ai écrit cette chanson mémorable. Ouais, non mais espèce de gros bêta de gorille, tu sais ce que ça veut dire, un cajot ? Attention. Eh ben, je trouve ça très joli, les cajots de bananes. Ouais, ok.